Chaque matin, Caillou était à l'affût du grand bus scolaire qui passait dans sa rue. Il voyait toujours beaucoup d'enfants qui l'attendaient. L'amie de Caillou, Sarah, monta dans le bus et s'assit. Elle vit Caillou aussi près de la fenêtre. Ça ne va pas, Caillou? J'ai très, très, très envie de prendre le grand bus scolaire. Quand pourrais-je prendre le bus comme les autres enfants? Bientôt. Encore un anniversaire et tu auras l'âge. C'est trop long, ça. Je veux y aller maintenant. J'ai une idée. Demain matin, on ira parler au chauffeur de bus. Si tu demandes gentiment, peut-être qu'il te laissera monter. Caillou était un peu triste. Mais au moins, il allait voir le bus de près. Le lendemain matin, Caillou et papa attendaient le bus scolaire. Voilà le bus! Le chauffeur de bus s'arrêta et ouvrit les portes. Bonjour, jeune homme. Comment tu t'appelles? Caillou cacha derrière papa. Il était un peu timide. Il s'appelle Caillou. Il va à l'école l'année prochaine. Ah bon? Ça veut dire que tu prendras mon bus. Comment tu t'appelles? Eh ben, on m'appelle Monsieur Billy, le chauffeur de bus. J'ai très, très, très envie de prendre le bus. Je ne peux pas te prendre aujourd'hui puisque le bus est plein. Mais toi et ton papa peuvent revenir demain. Ça t'ira? Ouais, j'ai trop envie. Le lendemain matin, Caillou attendait avec impatience le voyage en bus. Il y pensait sans cesse. Mon petit doigt m'a dit que tu prends le bus ce matin. J'ai trop envie, maman. Bus, pouet, pouet. J'ai envie de faire un cadeau à Monsieur Billy, le chauffeur, pour le remercier. Tu peux lui faire un dessin. Caillou trouvait que c'était une idée formidable. Il a pris ses crayons de couleur et une feuille de papier. C'est moi conduisant le bus scolaire. Quel très beau dessin, Caillou. Après le petit déjeuner, Caillou rejoignit Sarah à l'arrêt de bus. Tu prends le bus scolaire, Caillou? Caillou hochait la tête fièrement. Il se sentait être un grand. Le bus s'arrêta devant eux et Monsieur Billy ouvrit les portes. Monte, Caillou! Il faut être à l'heure! Caillou est monté dans le bus avec son papa. Caillou et papa s'assirent juste derrière Monsieur Billy. Caillou se sentait comme un vrai chauffeur de bus. Caillou fit coucou à chaque enfant qui montait dans le bus. Prendre le grand bus scolaire était très amusant. Arrêt, départ, arrêt, départ. Le bus se remplit d'enfants de plus en plus. Monsieur Billy les conduisait tous à l'école. À l'école, tous les enfants descendirent, tous sauf Caillou. Monsieur Billy, je t'ai fait un petit dessin. Waouh, quel superbe dessin! C'est toi qui conduis le bus? Caillou hocha la tête, il était très fier de son dessin. Formidable! Je le mettrai ici pour que tout le monde le voie. Il est temps de rentrer. Caillou n'avait pas envie que son voyage en bus se termine. Il s'amusait trop. Mais quand il a vu maman et Rosie qui l'attendaient, Caillou était content de rentrer. Tu m'as vu, maman? Bien sûr que oui. Tu as remercié Monsieur Billy? Merci, Monsieur Billy. Je me suis beaucoup amusée ce matin. Moi aussi, Caillou. Merci de m'avoir rejoint. J'ai un tout petit cadeau pour toi aussi. Monsieur Billy donna un petit bus scolaire à Caillou. Maintenant, tu as ton propre bus scolaire à conduire où et quand tu veux. Wow! Je l'adore! Merci, Monsieur Billy. Caillou salua le bus qui s'éloignait. Merci pour la balade, Monsieur Billy. À bientôt! Caillou avait hâte de grandir pour qu'il puisse prendre le bus scolaire tous les jours. C'était les vacances d'été. Caillou et sa famille allaient à la plage. Caillou avait hâte de découvrir l'océan. C'est encore loin? Pas trop, Caillou. Quand tu verras l'océan, nous sommes bientôt arrivés.
Je veux me baigner et construire le plus grand château de sable du monde. Et n'oublie surtout pas les glaces. La glace était le préféré de Caillou. Il était impatient de goûter tous les parfums différents. Miam! Miam! Le voilà! Je vois l'océan là! Quand ils arrivèrent enfin, Caillou sauta vite de la voiture et courut jusqu'à la plage. Ça brûle les orteils! Ne t'en fais pas, Caillou. C'est la chaleur du soleil qui chauffe le sable. Ça ne va pas te faire mal. Caillou était étonné que le sable soit chaud. Il appréciait y enfouir les orteils. Waouh! L'océan! L'océan s'étendait à l'infini. Caillou n'avait jamais vu quelque chose d'aussi grand. Caillou, le soleil est très fort. Ça veut dire qu'il faut mettre beaucoup de crème solaire et ton chapeau pour éviter les coups de soleil. Caillou pouffait de rire et essayait de s'échapper. Mais maman le tenait fermement. Elle le couvrit de crème solaire. Ça chatouillait. Papa installa l'ombrelle. Et maman mit Rosie à l'ombre. Caillou était impatient. Il voulait s'amuser. Qui est-ce qui veut aller nager? Moi! 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 Caillou tenait la main de papa. Ensemble, ils coururent vers la mer. Oh, l'eau est froide! Ça va une fois qu'on s'y habitue. Caillou et papa s'amusaient beaucoup en s'aspergeant et pataguant dans l'eau. Soudain, une grande vague renversa papa. Caillou trouvait que papa avait l'air drôle couvert d'algues. Une autre grande vague vint et prit Caillou au dépourvu. Il n'aimait pas être sous l'eau. Ne t'inquiète pas, Caillou. Soyons prudents et n'allons pas trop loin et faisons attention aux vagues ensemble, d'accord? Waouh, vous deux, c'est le déjeuner. Papa et Caillou avaient très faim après avoir esquivé toutes ces vagues. Caillou mangeait un sandwich, une pomme et buvait de la limonade pour son déjeuner. Miam! Caillou ramassa son sandwich et en prit une bouchée, mais c'était plein de sable. Oh, c'est tombé dans le sable. Je peux pas le manger. Une mouette qui était à proximité descendit et vola le sandwich sableux. Hé, reviens! C'est à moi, ça! Ne t'en fais pas, Caillou. On va manger des glaces à la place. Après le déjeuner, papa emmena Caillou chez le glacier. Il y avait tellement de parfums différents et de toutes couleurs. Caillou n'en croyait pas ses yeux. Je veux essayer les tous. Et si tu commençais par un parfum aujourd'hui, puis un autre à la prochaine? D'accord. Mais comment puis-je choisir quand il y en a autant? Le gentil vendeur de glace laissa Caillou goûter quelques parfums pour qu'il choisisse son préféré. J'aime cette glace-là. Ils achetèrent 4 glaces et retournèrent pour retrouver maman et Rosie. Tu veux montrer à Rosie comment faire un château de sable? Caillou était très enthousiaste et saisit un seau et une pelle. Regarde, Rosie, il faut prendre le seau et faire comme ça. Rosie rit et applaudit avec ses mains. Les châteaux de sable étaient très amusants. Waouh, c'est magnifique! Mais il nous faut un drapeau pour ce château. Soudain, Caillou sentit une vague contre ses pieds. La mer s'était rapprochée et commençait à éroder le château. Oh non! Les vagues détruisent totalement mon château de sable! Comment sont-elles arrivées?
Parce que la marée fait monter et descendre la mer. Alors les vagues montent plus haut sur la plage. La marée monte maintenant et cela veut dire qu'il est temps de rentrer, Caillou. Mais mon magnifique château de sable! Ne t'en fais pas, on reviendra un autre jour pour construire un château plus grand. Maman et papa ramassèrent toutes leurs affaires et se dirigèrent vers la voiture. Je veux revenir demain et le jour après et le jour après. Ce sont les meilleures vacances qui soient. Caillou et sa famille ont passé une journée superbe, mais il était impatient de vivre sa prochaine aventure. Caillou et sa famille se régalaient d'un repas de spaghettis. Miam! Les spaghettis sont mes préférés! S'il te plaît, Caillou, essaie de ne pas faire de bruit en mangeant. C'était très dur de manger des spaghettis sans faire de bruit. En essayant de manger silencieusement, il fit un bruit bizarre. Oh oh! Ça a l'air d'être une crise de hoquet. Le hoquet? Comment l'arrêter? En général, le hoquet s'arrête tout seul. Caillou attendit un moment pour voir si le hoquet s'arrêtait. J'ai attendu, mais il n'est pas parti. Il faut attendre plus longtemps. Va donc jouer dans le salon. Caillou construisit une tour avec des blocs en attendant la fin de son hoquet. Mais un hoquet le secoua si fort qu'il en fit écrouler sa tour. Comment ça va ici? Ce hoquet gâche toute ma vie et tout. Il faut qu'il disparaisse. Des fois, on peut guérir le hoquet en donnant une frayeur. Une frayeur? Une petite frayeur. Ça fait haleter et le hoquet part après. Tu veux essayer? Caillou réfléchit un moment. Il n'aimait pas avoir peur, mais redoutait le hoquet encore plus. Si ça fait partir le hoquet, alors d'accord. Maman écarta les bras, flotta comme une fantôme et sauta vers Caillou. Pouh! Hé! Ah! Hey! Ça a marché! Ah! Oh! Ça ne marche pas! Je n'ai pas l'impression que ce genre de hockey ait peur! Heureusement que je suis là alors! Je suis le grand champion mondial guérisseur de hockey! Viens, je te montre! Certains guérissent leur hoquet en buvant de l'eau très vite d'un tuyau d'arrosage. Mais ça peut faire du gâchis. Peu importe. J'essayerai n'importe quoi. Papa fit couler l'eau. Caillou essaya de boire au tuyau, mais ça giclait partout. Ça ne marche pas. Pas de souci, Caillou. J'ai un autre remède sous le coude. La solution du renversement marche toujours. Caillou se tenait en équilibre sur les mains avec l'aide de papa. Papa lui tenant les pieds. Terminé, le hoquet? Il y a une dernière solution. Retournons à l'intérieur. Tous se rassemblèrent dans la salle de jeu pour connaître le dernier remède de papa. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Ça va sûrement guérir ton hoquet. Qu'est-ce que c'est? Il faut sautiller sur le pied gauche et se frotter la tête avec la main droite. Comme ça. Caillou, maman et Rosie trouvaient que papa avait l'air ridicule. Comme Caillou voulait se débarrasser de son hoquet, il se mit à sautiller. C'est ça, Caillou! Saute pour chasser ce hoquet! J'ai toujours le hoquet. Et si je les ai pour toujours? Et toujours et toujours! Puis, plus de repas de spaghettis peut-être. Mais les spaghettis sont mes préférés. Et pour Rosie, et papa aussi. Ce n'est pas les hoquets qui m'ont donné le hoquet. Je le sais. Et je crois qu'il est parti. Écoutez,
Caillou avait raison. Le hockey était parti. Les jeux chassaient en disant que je n'allais plus faire de spaghetti. Non, je crois qu'il est parti tout seul, comme tu le disais. Mais vas-tu vraiment arrêter de faire des spaghettis? Bien sûr que non, Caillou. Je te taquinais. Caillou et papa jouaient avec le train électrique préféré de Caillou. Papa? Oui, Caillou? C'est vrai que certains trains vont sous terre? Oui, c'est vrai. C'est un train spécial qui s'appelle un métro. Caillou était un peu étonné. Le métro doit être très sombre s'il va sous terre. J'aimerais pouvoir aller en métro un jour. Ça donna une idée à papa. Le lendemain, papa décida de faire une expédition spéciale avec Caillou. On va vraiment aller dans un train souterrain? Oui, Caillou. Nous serons deux explorateurs. Caillou mit son chapeau bleu préféré et son sac à dos. J'ai hâte d'être un explorateur. Qu'y a-t-il dans ton sac à dos? Des trucs d'explorateur. Caillou et son papa entrèrent dans la station de métro. Un coup de vent emporta le chapeau de papa. Oups! Un bon explorateur devrait toujours tenir son chapeau pendant une tornade. Caillou se demandait d'où venait tout ce vent. Papa acheta deux tickets de métro. Attends, papa! Je suis coincé! Papa! Pousse fort, Caillou! Caillou poussa fort et ils sont sortis. Bien fait, Caillou! Tu as passé le premier obstacle de notre expédition. Caillou et papa arrivèrent à l'escalier mécanique. Nous allons sous terre maintenant. Tu es prêt? Caillou regardait le grand trou qui menait sous terre. Il n'était pas sûr s'il voulait être encore explorateur. J'ai peur, papa. N'aie pas peur, Caillou. Il n'y a vraiment rien à craindre. Ils ont descendu l'escalateur. Caillou serrait la main de papa très fort. Et nous y voilà! Mais ce n'est pas du tout sombre! Il y avait beaucoup de monde. Il y avait même un homme qui jouait de la guitare. Papa regardait une carte géante sur le mur, pleine de lignes coloriées. Soudain, Caillou entendit un grondement qui s'intensifiait de plus en plus. C'est quoi? Tu vas voir. Des lumières apparurent dans le tunnel. C'est le train! Le train arriva du tunnel sombre avec un grand coup de vent et les portes s'ouvrirent toutes seules. Dépêche-toi, Caillou. Il faut qu'on monte avant que les portes se ferment. Caillou était très étonné. Ce sont des portes magiques? Caillou regardait autour de lui. On reste debout? Accroche-toi bien, Caillou. Le train parta et s'accéléra. Caillou tenait la perche très fort. Il adorait son voyage en métro. C'est comme un manège, ce train. Caillou regardait les lumières qui passaient en sifflant. Nous y sommes presque. Caillou était triste que le voyage allait bientôt se terminer. Caillou et papa se baladaient autour du parc. Ils s'arrêtèrent sur un banc pour grignoter. C'est bien plus calme ici que dans le métro. Caillou sortit deux biscuits de son sac à dos. Un pour toi et un pour moi. Tu es un explorateur qui pense à tout. J'ai amené ma lampe torche et mon nounours aussi.
Les explorateurs retournaient à la station de métro. Attention à la tornade, là! Caillou entra dans la station en tenant son chapeau, passa le tourniquet de péage sans se coincer et prit l'escalier mécanique avec papa sans avoir peur du tout. Une fois dans le métro, Caillou, le grand explorateur, s'endormit sur les genoux de papa. Aujourd'hui, Caillou et Papy allaient au parc. Papy arriva chez Caillou en portant une boîte. Il y a quoi dans la boîte, Papy? Tu verras quand on arrivera au parc. Caillou était très curieux de savoir ce qu'il y avait dans la boîte. Dans le bus qui le menait au parc, Caillou joua à la devinette avec Papy pour le savoir. Est-ce un ballon de foot? Un cerf-volant? Je sais! C'est un hélicoptère! Non, non, non! Caillou adorait regarder les bateaux dans le bassin. Ils font une course! Si seulement on avait un... Oh, wow! Un voilier de mer! Je l'ai fait moi-même! Tu l'aimes? Ah oui! Est-ce qu'il vogue vraiment? Peu après, le bateau était dans l'eau. Caillou était tout excité que Papy le laisse piloter. C'est vrai, capitaine Caillou. Mais fais attention, si tu le tournes trop vite, il va basculer. Pouvons-nous faire la course là-bas, papy? Allons nous aligner pour le départ. Salut, Caillou. Emma était une amie de Caillou de la maternelle. Et Emma, tu vas faire la course aussi? Oui, mon bateau c'est le rouge et le garçon là-bas a le bateau bleu. Je parie qu'on gagne, papy. Peut-être que oui, mais rappelle-toi que le plus important c'est de s'amuser. La ligne d'arrivée est de l'autre côté du bassin. À vos marques, vous êtes prêts? Feu! Il ne l'est pas. Allez! Caillou voulait vraiment gagner. Alors il a fait avancer son bateau un peu plus vite. Attention, Caillou! Pas trop vite! Nous gagnons! Plus vite! Plus vite! Oh non! Le bateau de Caillou heurta dans celui d'Emma et les deux bateaux se renversèrent. Oh! C'est dommage, Caillou. La prochaine fois sera la bonne. Caillou s'en voulait parce qu'il avait perdu et il avait fait perdre à Emma aussi. Désolée, Emma. Oh, ce n'est pas grave. Je viens ici chaque week-end avec papa et mon bateau se renverse toujours. Il se renverse chaque fois? Ouais, c'est difficile à diriger, mais c'est toujours très amusant. Oui, c'est amusant. Nous allons féliciter le gagnant. Bravo pour gagner la course. Tu as très bien manœuvré. Merci, tu as bien fait aussi. Merci, à la prochaine.
Es-tu déçu de ne pas avoir gagné la course? Un peu, oui. Mais j'aimais être Capitaine Caillou, même si je n'ai pas gagné. Caillou et Rosie jouaient avec le jouet de Rosie. Ils s'amusaient bien. Ils s'amusaient bruyamment. Chaque fois que Rosie appuyait sur une touche, le jouet fit un son animal. Les enfants, vous faites trop de bruit. Caillou et Rosie arrêtèrent leur activité. Caillou, j'ai besoin de m'allonger. Pourrais-tu être un bon grand frère et surveiller Rosie pour qu'elle ne fasse pas de bêtises? Oui, maman. Maman a apporté deux feutres et deux grandes feuilles de papier. Toi et Rosie peuvent dessiner des animaux au lieu d'écouter les bruits qu'ils font. Jouez tranquillement pour que je puisse me reposer. D'accord. Caillou voulait aider maman. Il voulait être un bon grand frère. Caillou donna un feutre à Rosie. On va dessiner maintenant. Caillou commença à dessiner un girafe. Il se concentrait tellement sur son dessin qu'il n'a pas remarqué que Rosie ne dessinait pas à côté de lui. Caillou regarda pour voir où Rosie était partie. Oh non! Rosie dessine sur le mur. Rosie, non! Caillou s'empara du feutre de Rosie. Rosie essaya de reprendre le feutre, mais Caillou le tenait fermement. Rosie commença à pleurer. Tais-toi! Veux-tu que maman se fâche? Maman a entendu tout le bruit. Caillou, je t'avais demandé d'être un bon grand frère et de surveiller Rosie, pas de te disputer avec elle. Rosie doit faire sa sieste. Je reviens de suite. Caillou fut surpris. Pourquoi est-ce que maman était en colère contre lui? Il avait fait de son mieux d'être calme et d'empêcher Rosie de faire des bêtises. Il ne voulait plus être le grand frère de Rosie. Quand maman retourna, Caillou pleurait. Caillou et maman retournèrent à la cuisine remplir un seau d'eau. Ce n'est pas facile d'être un grand frère, n'est-ce pas? Je peux aider? Ça serait parfait, Caillou. Caillou nettoyait le mur avec un chiffon mouillé. Il frottait fort jusqu'à ce que toutes les marques soient parties. C'est très bien, Caillou. Merci. Rosie finit de faire sa sieste et elle voulait jouer avec Caillou. D'accord, Rosie. Caillou, tu deviens un vrai grand garçon. Tu es un très bon grand frère à Rosie. Attention, Teddy! Caillou avait inventé un nouveau jeu. Avec ses petites voitures, il empruntait une rampe faite d'une longue planche.
Rosie entra dans la salle tirant son canard en plastique par une ficelle. Je peux jouer? D'accord. Il se tourna vers sa sœur et vit qu'elle portait un t-shirt avec des nounours dessus. Non, c'est mon t-shirt. Enlève-le, c'est à moi. Caillou était très contrarié. Maman est venue quand elle a entendu les cris. Elle essaya d'expliquer pourquoi Rosie portait le t-shirt préféré de Caillou. Caillou, ce t-shirt est trop petit pour toi. Alors je l'ai donné à Rosie. Caillou était trop en colère pour écouter maman. Ce n'est pas à Rosie, c'est à moi. Ok, ok. Rosie, allons-nous mettre un autre t-shirt. Caillou mit son t-shirt au nounours, mais ce n'était pas facile. Il dut se tortiller et gigoter comme une chenille. Aïe! Tu vois, c'est parfait! Caillou défila autour de la salle, montrant son ventre nu. Rosie pensait que Caillou avait l'air très drôle. Peut-être que c'était un nouveau jeu. Elle approchait de son frère en courant et lui chatouilla le ventre. Caillou savait que le t-shirt couvrait son ventre quand il le portait avant. Caillou s'allongea pour jouer avec ses petites voitures, mais il avait froid au dos et la moquette le grattait. Caillou alla dans sa chambre. Il ne voulait plus jouer avec ses petites voitures. Il était très triste, ne voulait que s'asseoir avec Teddy. Pourquoi est-ce que le t-shirt avait autant rétréci? Maman vint s'asseoir à côté de Caillou. Elle avait un album photo qu'elle ouvrit. Voici une photo de toi à ton anniversaire. Tu as l'air tellement mignon et content dans ton t-shirt, nounours. Caillou regardait la photo et hocha la tête. C'est quand j'étais petit, j'adorais ce t-shirt. Maman comprit pourquoi Caillou était triste. Caillou, je m'excuse d'avoir donné ton t-shirt à Rosie. J'ai oublié à quel point tu l'aimais. Mais il est de nouveau à toi. Même si tu ne le portes pas, tu peux le garder aussi longtemps que tu veux. Caillou aimait toujours le t-shirt. C'était tellement doux et confortable. Mais il savait qu'il était trop grand pour le porter. Caillou regarda Teddy. D'un coup, il sut quoi faire. Je vais le donner à Teddy. Bonne idée, Caillou. Caillou et Mama souriaient pendant que Caillou enleva son t-shirt préféré et le mit sur son nounours. Rosie entra dans la chambre de Caillou pour retrouver maman. Regarde qui porte le t-shirt. Teddy est content. Moi aussi. Caillou serra nounours dans son t-shirt nounours. Caillou jouait avec Gilbert. Son dinosaure était attaché à une longue ficelle. Gilbert était prêt à bondir, la queue animée de secousses. Tu es prêt, Gilbert? Caillou tira fort sur la ficelle. Le dinosaure se mit à voler en l'air. Gilbert sauta, se jeta sur le dinosaure et le saisit fièrement. Tu m'as sauvé du dinosaure! Caillou continuait à tirer la ficelle tout autour de la pièce. Oh non! Il continue à me chasser! À l'attaque, Gilbert! Allez! Gilbert les chassait et enfin se jeta de nouveau sur le dinosaure. Oh. Tu l'as eu cette fois-ci, Gilbert! C'est l'heure du goûter, Caillou! Là, Gilbert. Caillou partit boire du lait et manger des biscuits que papa lui avait préparés. Allons.
allons jouer maintenant, Gilbert. Caillou regarda autour de lui et sous les coussins. Gilbert, où es-tu? Caillou s'inquiétait. Il a dit à Gilbert de rester là et de l'attendre. Papa, Gilbert est parti, mais on jouait aux dinosaures ensemble. Eh bien, Gilbert n'est pas ici dans la cuisine. Caillou alla chercher Gilbert. Il alla regarder au sous-sol et y trouva sa maman. Coucou Caillou, qu'est-ce qu'il se passe? Je ne retrouve pas Gilbert. Il devait m'attendre au salon. Il se cache sûrement dans une des chambres. Jouons aux inspecteurs pour le chercher. Ouais! Maman et Caillou montèrent en haut. Un bon inspecteur doit chercher des indices. C'est quoi les indices? Un indice, c'est une chose qui va nous aider à trouver Gilbert. Alors, regarde bien autour de toi. Caillou vit une ficelle par terre dans le couloir. C'était la ficelle de son jeu de dinosaure. Est-ce un indice, maman? C'est un très très bon indice. La ficelle était entre deux chambres, alors Caillou en choisit une et entra pour chercher Gilbert. Dans la chambre de ses parents, Caillou regarda sous le lit, puis sous le fauteuil et partout dans la chambre. Il n'y est pas, maman. Il ne reste que ta chambre, Caillou. Ma chambre! En cherchant dans sa chambre, Caillou ne trouva pas Gilbert. Gilbert, viens ici, là! Caillou regarda sous le lit et trouva son dinosaure. Encore un indice, maman! Tu es un bon inspecteur, Caillou. Caillou serra le dinosaure qui émit un rugissement aigu. Maman et Caillou entendirent un miaulement discret. Caillou tira les couvertures de son lit. Gilbert, je l'ai trouvé! Caillou prit le chat ensommeillé dans ses bras. Caillou et sa nounou lisent une histoire. Mais aujourd'hui est une journée très spéciale. Caillou, savais-tu que c'est la Saint-Valentin aujourd'hui? La journée de la fête de l'amour. Caillou prend un moment pour y penser. La fête de l'amour? C'est ça, Caillou. Caillou a une idée. Caillou décide de donner un cadeau de Saint-Valentin à quelqu'un qu'il aime. Je vais dessiner une jolie carte avec des cœurs. C'est une bonne idée. Julie donne à Caillou du papier et des crayons. Caillou commence à faire des cœurs aussi appliqués que possible. Mais dessiner des cœurs est difficile et Caillou est un peu déçu de son dessin. Ce n'est pas très joli. Je peux t'aider si tu veux. J'aime tes cœurs, Caillou. Que penses-tu de rajouter quelque chose dans le dessin? Caillou se demande ce qu'il peut ajouter. Je sais! Caillou dessine une grosse lune ronde et autour de la lune, il ajoute des bisous de toutes les couleurs. Ton dessin est vraiment joli, Caillou. Caillou est très fier de lui. Caillou va dans sa chambre pour y placer son dessin. À qui donnes-tu ta carte de Saint-Valentin, Caillou? C'est un secret. Caillou met son chandail préféré.
Il va prendre une cravate rouge du tiroir de papa. Suis-je beau avec la cravate? Tu es toujours beau, Caillou. Caillou est si excité à cause de son cadeau de Saint-Valentin qu'il a du mal à rester sur place. Quand maman arrive à la maison, il s'élance vers elle. Maman est très heureuse de voir son garçon paraître si bien. Qui est ce beau jeune homme? Ferme tes yeux, maman! Maman ferme ses yeux et Caillou met la surprise de Saint-Valentin dans ses mains. Tu peux ouvrir tes yeux maintenant! C'est pour moi! J'ai dessiné une lune car je t'aime grand comme la lune. Et je t'aime grand comme la lune, moi aussi. Eh bien, je t'aime grand comme la lune et les étoiles et toutes les planètes. Caillou est sûr qu'on ne peut aimer personne plus que cela. Caillou passait une journée pluvieuse chez grand-maman. Il jouait avec sa mini-voiture autour de la table à café. Vroom, vroom, pip, pip. Oups! Caillou percuta un gros livre qui tomba de la table ouvert sur le sol. Caillou est très curieux des images dans le livre. Il s'assoit par terre pour les voir. Je vois que tu as trouvé mon album photo. Qui c'est, grand-maman? C'est ton grand-père et moi quand on était jeunes. Caillou regarde la photo à nouveau. Ce n'est pas toi et grand-père. Cette photo a été prise il y a très longtemps. Ton grand-père et moi dansions beaucoup. Caillou tourne la page et quelque chose tombe de l'album. Oh, c'est notre ruban bleu. Le soir où la photo a été prise, il y avait un grand concours de danse. Et c'est le ruban que ton grand-père et moi avons gagné. Waouh! Le premier prix! Caillou était très impressionné. Tu veux que je te montre comment danser? Oui! Je peux gagner le premier prix aussi! Grand-mère met de la musique. C'était une de nos chansons favorites. Caillou n'avait jamais entendu ce genre de musique rythmée, mais il aime cela. Regarde, grand-mère, je danse! Caillou sautille d'un pied à l'autre. C'est bien, Caillou. Tiens, prends mes mains. Caillou adorait danser avec grand-mère. Il s'amusait beaucoup. Tout ce qu'on doit faire est d'écouter la musique. Grand-mère montra à Caillou des pas plus compliqués. Caillou essaya de suivre, mais trébucha. Caillou balança les hanches d'un côté à l'autre. Je crois que tu viens d'inventer une nouvelle danse. Et pour si bien danser, tu gagnes le premier prix. Grand-mère épingla le ruban bleu au chandail de Caillou. Bonjour, vous deux. Quelqu'un semble avoir pris des cours de danse. Grand-mère m'a montré comment. Caillou se mit à danser pour grand-père. Merveilleux!
Grand-père prit Caillou par les mains et ils dansèrent ensemble. Grand-mère regarda ces deux hommes danser autour de la pièce. À ce moment, la sonnette d'entrée retentit et Caillou courut pour répondre. C'est maman! Regarde, j'ai gagné le premier prix de danse! Il montra alors à tout le monde la danse qu'il venait d'apprendre. Tout le monde se retrouva dans le salon pour un goûter. Maman, savais-tu que grand-mère et grand-père dansaient avant? Et qu'ils ont gagné un ruban du premier prix pour danser? Vraiment? Oui! Et grand-mère et grand-père sont de très bons danseurs. Grand-mère m'a montré leur danse spéciale. Grand-père eut une idée. Il remit la musique. Puis-je avoir cette danse, madame? Vous pouvez, monsieur. Ensemble, ils montrèrent à tout le monde la danse qui leur avait fait gagner le premier prix il y a tant d'années. Caillou se dépêche à mettre ses beaux habits. Ce soir, il sort avec maman et papa, comme un grand garçon. Rosie reste à la maison avec la gardienne. Le restaurant est plein de monde. Caillou tient la main de papa et regarde autour. Il fait un peu noir ici. Caillou ne voit pas d'autres enfants. Il est très fier d'être avec des adultes. Regarde l'aquarium, Caillou! Caillou y accourt pour aller saluer les poissons multicolores. Oh! Ne cours pas, Caillou! Attends-nous, s'il te plaît! Maman, je ne peux rien voir! Caillou décide de s'asseoir sur ses genoux. Caillou, assieds-toi comme un grand garçon! Juste à ce moment, un gentil serveur arrive à la table avec un siège ajustable pour Caillou. Que désires-tu manger, Caillou? Laisse-moi voir, maman! Caillou veut agir comme un adulte et ouvre lui aussi le menu. Il n'y a pas de photo sur ce menu et Caillou est très déçu. Caillou attend patiemment pendant que maman commande son spaghetti favori. Cela prend bien du temps pour que la nourriture arrive. Caillou est fatigué d'attendre. Il veut se lever et bouger un peu. Mais où vas-tu? Caillou ne veut plus rester assis. Veux-tu aller à la salle de bain? D'accord. Caillou trouve un nouveau jeu. Il a du plaisir à se sécher les mains à l'aide du séchoir automatique. Encore! Caillou court au lavabo pour se laver les mains à nouveau. D'accord, mais c'est la dernière fois. Le serveur arrive à la table, tous les plats en équilibre sur les bras. Caillou est très impressionné. Waouh, maman et papa ne font jamais cela! Caillou prend une bouchée et fait un drôle de visage. Ça ne goûte pas comme à la maison. Caillou, mange un peu de ton repas au moins. Yeah. Caillou n'a plus faim maintenant. Il veut jouer sous la table.
Où est mon caillou? Soudain, Caillou sort de sous la table. Je suis ici! Caillou, tu devrais rester assis à ta place. Je ne veux plus m'asseoir maintenant. Je veux rentrer à la maison. Au même moment, le serveur arrive à la table avec un magnifique dessert. Caillou oublie complètement qu'il voulait retourner à la maison. Yay! Youpi! J'ai faim! Caillou est très content de manger au restaurant avec maman et papa. Il se sent vraiment comme un grand garçon. Aujourd'hui, Caillou s'en va chez le dentiste pour la première fois. Allez, Caillou, nous ne voulons pas être en retard. Caillou ne répond pas. Mais où est-il allé? Maman trouve Caillou dans la salle de bain. Caillou, tu avais déjà brossé tes dents ce matin. Ont-elles l'air propres, maman? Oui, Caillou, elles sont très belles. Allez maintenant, il faut y aller. Arrivé chez le dentiste, Caillou et maman s'assoient dans la salle d'attente. Caillou tient Teddy très serré. À ce moment, il entend un bourdonnement. Teddy, tu viens avec moi voir le dentiste, d'accord? Une dame avec un gentil sourire marche vers Caillou. Allô, Caillou, mon nom est Linda. Suis-moi et je vais vous montrer à toi et à Teddy la meilleure façon de brosser vos dents. Caillou et maman suivent Linda dans une petite pièce. Il y a une énorme chaise au milieu avec une drôle de grosse lampe penchée au-dessus. Assieds-toi, Caillou. Avec Teddy aussi? Bien sûr. Caillou et Teddy s'assoient dans la grosse chaise. Linda montre à Caillou que la chaise peut bouger de haut en bas. Linda manœuvre la chaise pour coucher Caillou à l'horizontale. Mais Caillou reste assis tout droit. Étends-toi, Caillou. On va pouvoir mieux examiner tes dents. Linda montre à Caillou le petit miroir qu'on utilise pour regarder les dents situées à l'arrière de sa bouche. Elle active la petite brosse à dents électrique qui tourne très vite. C'est ça qui faisait un bruit étrange tout à l'heure! Maintenant, je vais faire briller tes dents comme des étoiles. D'accord! Caillou vérifie d'abord pour voir si maman est encore là. Oui, maman est juste derrière lui. Linda brosse les dents de Caillou. Le dentiste arrive dans la salle pour vérifier la bouche de Caillou. Bonjour, Caillou. Je suis le docteur Joseph. Waouh! Tu as de très belles dents. Tu les brosses à tous les jours? Deux fois ce matin. Quand Caillou est prêt à partir, Linda lui donne une nouvelle brosse à dents pour la maison. Et tu peux avoir deux surprises de cette boîte. Deux! Caillou examine les items dans la boîte. Il choisit une loupe grossissante et une bague. La loupe grossissante est pour moi et la bague est pour maman. Au revoir, Caillou. Bye! Ce fut une grosse journée pour Caillou. Aujourd'hui, il a été chez le dentiste pour la première fois. Caillou au marché. Bon matin, Caillou.
Mais Caillou ne veut pas se lever de son lit. Regarde, il neige! Caillou court voir à la fenêtre. Waouh! Peut-on faire un bonhomme de neige? Habille-toi d'abord et on verra après. Caillou tente de verser ses céréales, mais rien ne tombe. Il n'y a pas de céréales! Nous allons en acheter au marché et regarderons pour faire un gâteau spécial surprise. Oh. Un gâteau? Ouais! Caillou enfile son manteau et ses bottes. Il prend Gilbert pour voir s'il aimerait venir au marché aussi. Gilbert, où vas-tu? Quel chat! Dehors, les flocons chatouillent son visage. Il sort sa langue et en attrape quelques-uns. On fait un bonhomme de neige? Oui, Caillou. Mais nous devons aller au marché avant. Lorsqu'ils arrivent au marché, maman embarque Rosie dans le siège du carrosse. Je veux aller dans le carrosse aussi, maman. Allons-y, nous avons du magasinage à faire. Caillou et Rosie aident maman à trouver ce qu'elle a besoin. Caillou prend un sac de biscuits de l'étagère. Ceux-là sont bons. Nous aurons un gâteau spécial surprise. Pas besoin des biscuits en plus. Caillou veut vraiment les biscuits, mais il les remet en place. Au comptoir, maman aide Caillou et Rosie à sortir du carrosse. Caillou, veille sur ta sœur Rosie, s'il vous plaît. Caillou tient la main de Rosie. Mais il pense aux biscuits. Il lâche la main de Rosie et part chercher les biscuits. Caillou! Caillou va de gauche à droite dans les allées à la recherche des biscuits. Il arrête soudainement et regarde autour. Il ne peut pas voir maman. Maman, où es-tu? La voilà. Maman a l'air inquiète. Qu'est-il arrivé? Tu étais parti. Non, tu étais parti. Elle lui donne un gros câlin. Je suis heureuse de t'avoir trouvé. Partons. Maman, j'étais perdue. Je sais, Caillou, mais tu es à la maison maintenant. C'est l'heure de faire le gâteau spécial surprise. Mais je veux faire un bonhomme de neige. Nous allons faire un bonhomme de neige ici dans cette cuisine. Maman cuit un gâteau et le couvre de crémage blanc neige. Caillou et Rosie le décorent avec des bonbons. Le gâteau spécial surprise est un spécial bonhomme de neige surprise!